Hey, shalom, shalom, paix, paix, de votre oncle John Hollandais. Peace, peace from your Dutch Uncle John. I am making a video for my French-speaking friends around the world to introduce you to the beautiful, beautiful language of God. Je fais une vidéo dans le monde entier pour vous donner un aperçu de la richesse de la langue hébraïque et de la Bible et de la Bible. And in Hebrew, we are going to study just the first word to show you how amazing His word is. Et nous allons juste regarder le premier verset de la Bible pour montrer combien c'est extraordinaire de contenu. In Genesis 1:1, in English, it's "In the beginning, God created the heavens and the earth." Dans Genèse 1:1, le premier verset dit: "Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre." In the Hebrew, it's "Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz." Now, the Hebrew alphabet has 22 letters. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. And each letter has a modern version. Et chaque lettre a une version moderne. The name of the letter. Le nom des lettres. The sound that it makes. Le son qu'elle donne. Each Hebrew letter has an ancient picture version of it. Chaque lettre ancienne a un pictogramme associé à la lettre. It also has, each letter has a meaning. Chaque lettre a aussi un sens. And what's called the gematria, or the geometry number. Et ce qu'on appelle la géométrie du nombre, c'est-à-dire un nombre qui est associé à la lettre. We won't deal with the geometry letters today, the geometry numbers. But I invite you to study further and you will be amazed at what they do. Nous n'entrerons pas dans la géométrie du nombre parce que ça serait trop long aujourd'hui, mais nous vous invitons à continuer à rechercher par vous-même pour voir la richesse extraordinaire qu'il y a dedans. Here's a close-up of the first three Hebrew letters. Aleph, Bet, and Gimel. Voici une introduction aux trois premières lettres de l'alphabet, Alpha, Beta et Gimel. We are going to learn six letters today so that we can read the first word of the Bible. Nous allons apprendre aujourd'hui les six premières lettres de l'alphabet afin de pouvoir lire le premier mot de la Bible. The first letter is the Aleph. La première lettre est la lettre Aleph. Its value is 1. Sa valeur est de 1. And its picture is the head of an ox or a bull. Et son dessin est la tête du taureau. You can see the snout and two horns sticking up. Vous pouvez voir la tête et les deux cornes qui pointent vers le haut. And this letter represents strength. This letter represents God, it's first, it's Aleph. Cette lettre représente donc Dieu, représente aussi la force et donc la tête du taureau. And you'll notice, if you take the ancient Aleph and turn it upside down and straighten out the lines, this is where we get our letter A. Si vous retournez la tête du taureau, vous remarquerez que ça forme un A, le A moderne. And God uses this letter very selectively. Et le Seigneur utilise cette lettre de façon très sélective. He begins his titles with an Aleph. Il commence tous les titres qui lui sont associés avec la lettre Aleph. The word for God in Hebrew is Elohim, and Elohim begins with Aleph. Le mot associé à Dieu est Elohim, et Elohim commence avec Aleph.
And I want to point out to you that Hebrew reads from the right to the left. Je vous rappelle que l'hébreu se lit de droite à gauche. The word Lord is Adonai in Hebrew, and Adonai begins with Aleph. Le mot Seigneur se dit Adonai en hébreu, et le mot Seigneur commence avec Aleph. When Moses went up on top of the mountain to see the burning bush, quand Moïse alla vers le buisson ardent, vers le buisson ardent, he asked God, they're going to ask, what is your name? Il demandait à Dieu, il expliqua qu'on allait lui demander quel était le nom de Dieu. And the burning bush answered, I am that I am. Et le buisson ardent lui répondit, je suis celui qui suis. Eya, Asher, Eya in the Hebrew. I am that I am. All three of those words begin with Aleph. Et les trois mots qui lui furent associés, les trois mots commencèrent par Aleph. The Ten Commandments begin with an Aleph. Les 10 commandements commencent aussi avec Aleph. So you can see this is a very special letter, Aleph. Vous pouvez voir que Aleph est une lettre vraiment très spéciale. The second letter in the Hebrew alphabet is the letter Bet. La deuxième lettre de l'alphabet est la lettre Bet. And if we take the first two letters together, Aleph Bet, this is where we get the word alphabet. Et si nous prenons les deux premières lettres, alpha et bêta, c'est de là que nous avons l'alphabet. God was first on everything. Dieu est premier en toute chose. Now the bet is the B sound, and its value is number 2. La lettre bet est la deuxième lettre de l'alphabet, et le nombre associé est le 2. And a bet represents a tent or a house. Et la lettre bet représente la tente ou la maison. If you take the letter bet and turn it 90 degrees, you can see this is where we get the letter B. Si on tourne la lettre bet de 90 degrés, c'est là où on retrouve la lettre B française. You have probably said the word bet and used it before. Vous avez probablement utilisé la lettre bet auparavant. And here's where. In the word bet is house. The Hebrew word for bread is lechem. Lorsque la première lettre bet plus la lettre lechem. And if you put the two together, bet lechem, you get Bethlehem. Et si nous mettons donc les deux lettres ensemble, bet et lechem, nous obtenons Bethlehem. And we know Yeshua Jesus said, je suis le pain de vie. Donc le Seigneur a dit, I am the bread of life. How beautiful. The bread of life is born in Bethlehem, the house of bread. Le Seigneur, le pain de vie, est né dans la maison du pain. How cool is that? Now, let's go to the first word in a Hebrew dictionary. Donc allons maintenant au premier mot du dictionnaire hébreu. Now, some languages on the planet are phonetic. Il y a des langages sur la planète qui sont phonétiques. You can sound out the word from the letters. On peut lire en fonction des sons des lettres. Other languages like Chinese are very picture based. D'autres sont basés sur des idéogrammes. Hebrew, God's perfect language, is both. L'hébreu, le langage de Dieu, a les deux. This is the first word in a Hebrew dictionary. It's an aleph and a bet. Donc voici le premier mot du dictionnaire hébraïque. C'est aleph bet. You can pronounce it. Abba. On peut le prononcer Abba.
Great, but what does it mean? Ok, mais que signifie-t-il? Well, we know the Aleph is strength. Nous savons que Aleph, c'est la force. Bet is house. Bet, c'est la maison. Who is the strength of the house? Qui est la force de la maison? The father. Le père. How cool is that? Que c'est incroyable et merveilleux. Okay, let's go to our third letter. It's the letter Resh. Allons à la troisième lettre, la lettre Resh. It's the R sound and its value is 200. C'est le son R et sa valeur est 200. And its picture is a head. Et le pictogramme associé est la tête. It can be the head that's on the top of your shoulders. Ça peut être la tête qui est sur nos épaules. Or it could be the head of the class or the head of the company. Ou ça peut être le leader d'une école ou d'une compagnie. And you'll notice if you take the ancient resh and turn it, it forms with straighter lines the letter R. Si nous retournons la lettre la tête, nous pouvons constater qu'elle ressemble à la lettre R. And you'll notice the lowercase R is just the backward version of the modern Hebrew resh. Vous pouvez voir que le R minuscule ressemble à la lettre resh. Okay, here's our second word. It's a bet and a resh. Donc voici le deuxième mot, bet et resh. We can sound it out, bar. On peut le prononcer bar. And what is bar? Well, we know that house is bet and resh is head. Donc, nous devinons que bet c'est la maison et resh c'est la tête. Who is the chef de la maison? Qui est le chef de la maison? Who is the head of the house? Now, before you answer, you may be tempted to say the father. Donc, avant de répondre, vous êtes tenté de dire que c'est le père, la tête de la maison. But we've already told you that the father is the strength of the house. Mais nous vous avons déjà dit que le père est la force de la maison. The Abba. L'Abba. The head of the house is the son. La tête de la maison, c'est le fils. And in the Bible, we see that God gives all authority to his son, Yeshua. Dans la Bible, nous pouvons voir que le Seigneur a donné toute l'autorité à son fils, Yeshua. Remember, we are trying to get into the mind of God and the way he thinks. Nous essayons de rentrer dans la pensée de Dieu et la façon dont il pense. And this makes sense in our lives also. If you are a father and you have a son, you will pass everything on to your son. Et ça a du sens aussi dans nos vies. Lorsque nous sommes pères, nous voulons donner l'autorité à notre fils. Son, you are the head of the house. If you need backup, if you need help, I, father, am the strength of the house. Fils, c'est toi le chef, et si tu as besoin d'aide, nous sommes la force de la maison. Now, with these two words that we've learned, bar and abba, we can go back and look at John in the New Testament, in the Brit Hadashah, John chapter 18. Avec le mot bar et abba, nous pouvons maintenant aller voir le verset dans la Bible, Jean 18, 38 et 40. Remember when they brought Jesus before Pilate, the Roman governor? Rappelez-vous lorsqu'ils ont amené Jésus devant Pilate. And Pilate could find no guilt in Yeshua. Et Pilate ne put trouver aucune faute sur Jésus. And Pilate said, "You have a custom. It's Passover, and you may have me release one prisoner. Shall I release the King of the Jews?" Donc, vous avez une coutume, les Juifs, de me faire libérer chaque année un prisonnier. Est-ce que vous voulez que je vous libère
le roi des Juifs. And the people cried out, not this man, but Barabbas. Et le peuple cria, non pas cet homme, mais Barabbas. And Barabbas was a robber. Et Barabbas était un bandit. If we look at the word Barabbas, it's Bar Abbas. Et si nous regardons au mot, le sens du mot Barabbas, c'est Bar et Abba. Bar is son, Abba father. Bar c'est le fils, Abba c'est le père. The people were yelling, release son of the father. Le peuple était en train de crier, libérez le fils du père. How amazing! God would not allow them to yell anything else. Que c'est incroyable que le Seigneur n'a pas voulu qu'ils disent autre chose. And Yeshua, Jesus, he is the ultimate son of the Father. Et le Seigneur Jésus-Christ est au final le Fils suprême. Beautiful, isn't it? N'est-ce pas merveilleux? Okay, our fourth letter is the letter Yod. La troisième lettre qu'on va prendre est Yod. And Yod is the Y or I sound. C'est le son I. Its value is 10. Sa valeur est 10. And its ancient picture is a hand. Et son pictogramme est la main. You can see the hand. Look, there's an elbow, and then there's the thumb sticking up. Maybe it's this way. You see? Donc, vous pouvez voir le bras et la main qui est au bout. And if you turn the ancient picture 90 degrees, this is where we get our letter Y. Et si on retourne la lettre, vous pouvez voir que ça ressemble au Y, à notre Y. Now, the letter Yod is the smallest Hebrew letter. La lettre Yod est la plus petite lettre. And it's the only letter that floats above the line. It floats in the air. C'est la seule lettre qui flotte au-dessus de la ligne. Il flotte comme flottant dans les airs. This letter looks like an apostrophe, but it's not. It's a Yod. Elle ressemble à une apostrophe, mais c'est pas une apostrophe. C'est une lettre, la lettre Yod. In the New Testament, Yeshua Jesus says, not one jot or tittle will pass from the law. He didn't say, jot, there's no such word. He's talking about the smallest yod will not pass from the law. Lorsqu'il parlait de la loi, Jésus dit, il ne passera pas une seule yod de la loi. Every letter of the law will be fulfilled. Chaque lettre sera accomplie. De la loi. Now, this letter Yod, although it's very small, God uses this letter to begin all of his names. Bien qu'elle soit la plus petite, le Seigneur utilisa cette lettre pour commencer tous les mots de son nom, qui se rapportent à son nom. He's God. He can begin any letter he wants, but he chooses that smallest letter because he can back it up. Il est Dieu, il aurait pu choisir n'importe quelle lettre, mais il a choisi la plus petite, parce qu'il est Dieu et qu'il peut se le permettre. His name is different than his title. Son nom est différent de son titre. Remember, his title was Elohim. Rappelez-vous que son titre, c'est Elohim. God. Dieu. His name is Yahweh. Son nom est Yahweh. You can see a yud, hey, vav, hey, four letters. Il y a quatre lettres, yod, hey, vav, hey. His son's name is Yeshua. Yeshua begins with yod. Le nom de son fils est Yeshua. Yeshua commence aussi par yod. His city is Yerushalayim. Jerusalem begins with a yod. Jérusalem commence aussi par yod. Sa ville. His promised land is Israel, begins with a yod. Sa terre promise, Israël, commence avec un yod aussi. Okay, now we have two more letters to learn. Number five is the letter Shin. Nous avons encore deux lettres à apprendre, la lettre 5 et la lettre Shin.
Sometimes it makes the sh sound, and sometimes it makes the s sound. C'est le sh ou le s? Its value is 300. Sa valeur est 300. And its picture is two teeth. Et son pictogramme, sont deux dents. And teeth, when you put something in your mouth, teeth destroy whatever goes in. Lorsque vous mettez quelque chose dans la bouche, les dents détruisent tout. So, shin represents destruction. Donc, shin représente la destruction. And you can see the ancient shin, if you turn it, it's very similar to our S. Si on retourne un peu la lettre, on peut voir que ça ressemble un peu à notre S. The last letter we need to learn to read the first word is the letter Tav. Donc la dernière lettre maintenant, c'est la lettre T, Tav. It's the letter T. La lettre T. Its value is 400. Sa valeur est 400. And it represents a covenant. Et représente une alliance. In the old days, if you and I made a deal and I agreed to buy your cow and you agreed to pay me so much money, you would put your mark in the dirt, I would put my mark in the dirt. We now have crossed marks. Donc si dans l'ancien temps je voulais acheter une vache et que vous vouliez me la vendre, on faisait une marque chacun sur le sol qui se croisait et donc ça faisait la lettre T. We have made a covenant. Nous avions fait une alliance, un accord. And if you turn it, this is how we get the letter T. Et si nous on retourne, c'est comme ça qu'on a la lettre T. Which also is a picture of the cross. Qui est aussi une représentation de la croix. Which is the ultimate covenant between God and man. Qui est la dernière alliance ou l'alliance définitive en fait entre l'homme et Dieu. Man is a sinner. L'homme est un pécheur. We must have a perfect blood sacrifice. Nous devons avoir un sacrifice parfait de sang, en versant du sang. God agrees to come to earth and be the sacrifice that he requires. Dieu a accepté de devenir le sacrifice et de verser son sang dont nous avions besoin. And if we believe and accept his free gift, we get eternal life. Et si nous croyons en Jésus-Christ et que nous acceptons ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. And the cross represents that beautiful covenant. Et la croix représente cette alliance merveilleuse. Now, we go back to Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Maintenant, revenons au verset premier de la Bible, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And the first, in the Hebrew, it's Bereshit bara Elohim et Hashemayim va'et Haaretz. The first word is Bereshit. Le premier mot est Bereshit. Bereshit means in beginning. Bereshit signifie au commencement. You know all six of these letters. Vous connaissez les six lettres? The Bet, the Resh, the Aleph, the Shin, the Yod, and the Tav. Look at the first two letters. Regardez les deux premières lettres. It's Bet, Resh, Bar. Les deux premières lettres forment le mot Bar. And what does Bar mean? Que signifie Bar? Son. Fils. How amazing that the Bible, the first two letters of the Bible, spell son. Quelle merveille que les deux premières lettres de la Bible signifient fils. And what is the Bible about? De quoi parle donc la Bible? The son. Du fils. The third letter is an aleph. La troisième lettre, c'est aleph. Aleph was God's letter. Aleph, c'est la lettre de Dieu. The first three letters spell Bet, Resh, Aleph. Bar, Aleph.
the Son of God. Les trois premières lettres signifient donc Fils et Dieu. Le Fils de Dieu. And what is the book about? The Son of God. De quoi parle donc la Bible? Du Fils de Dieu. And the next letter is a shin, which is destruction or destroyed. La quatrième lettre veut dire shin, destruction. Yod is hand. La cinquième, la main. Tav is cross. La sixième, la croix, l'alliance. If you put them all together, it says the Son of God destroyed with his hand on the cross. Si on met tout ensemble, nous obtenons donc le Fils de Dieu détruit avec la main sur la croix. Wow! Wow! Do you see that? Okay. How amazing that he has hidden that in the first word of the Bible. Que c'est incroyable que ça soit dans le premier verset de la Bible. That's the whole message of the Bible. C'est tout le message de la Bible en un seul mot. Now, if you jump ahead to Isaiah chapter 46. Donc si vous allez maintenant au verset 46, chapitre 46 d'Isaïe, au verset 9. In verse 9, it says, I am God, there is no other. I am God, there is no one like me. Au verset 9, il dit, souvenez-vous des premières choses qui ont été autrefois, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et je suis Dieu et il n'y en a point de semblable à moi. And verse 10 goes on and says, declaring the end from the beginning. Écoutez bien ça. Qui déclare la fin dès le commencement. Only God knows the future. Seul Dieu connaît le futur. Only God can declare the end from the beginning. Seul Dieu peut dire la fin depuis le commencement. And what is the word for beginning in Hebrew? Et quel est le mot pour commencement en hébreu? Bereshit. And it is in the beginning of the book. It's the first word. C'est Bereshit et il est au premier mot de c'est le premier mot de la Bible. And what has he declared in those six letters? That the Son of God is destroyed with his hand on the cross. Et qu'est-ce qu'il déclare dans ce premier mot de la Bible? Que le Fils de Dieu est détruit avec la main sur la croix. Unbelievable. Unbelievable. Incroyable. All right. Thank you so much for watching. Listen, I invite you to study deeper into the Hebrew language. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous invite à rechercher, à approfondir dans l'alphabet hébraïque. Every Hebrew word has some deeper meaning, either in the letters or the numbers, that we don't see in French and we don't see in English. We only see in Hebrew. Chaque mot en hébreu a une signification que nous ne voyons pas lorsque nous traduisons littéralement en français ou en anglais. And also, I would like to just thank the Jewish people who have kept his word for so many millennia so that we have the ability to read it in the original Hebrew. Je remercie donc le peuple juif d'avoir gardé la Bible telle qu'elle était depuis des millénaires pour que nous puissions aujourd'hui voir ce que nous pouvons voir. To God be the glory. Que la gloire soit à Dieu. To God be the honor. Que l'honneur soit à Dieu. To God be the praise. Que la louange soit à Dieu. God bless Israel and God bless you. Que Dieu bénisse Israël et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.